bébé. Je vais te sortir de là. C'est promis. Rendez-moi mon bébé. Vous êtes Clifford Unger? Qui êtes-vous? Est-ce que vous êtes le père? Sam Porter. Mais tu es Sam Bridges. Mon pont vers l'avenir. Celui qui rapproche les gens. Tu es leur pont vers l'avenir. Allez, Sam. Debout. Et sortez d'ici au plus vite. Je ne peux rien faire pour votre femme. Désolé. Si elle me donne un ordre, quel qu'il soit, je dois obéir. Je n'ai pas le choix. Mais c'est sous vos ordres que je servais autrefois. Et votre famille ne mérite pas ça. Ce cauchemar. Mais pourquoi vous m'aidez? Vous risquez votre vie. Parce que vous m'avez sauvé la vie, chef. Et à maintes reprises. Quand les gradés nous envoyaient droit dans les flammes de l'enfer, c'est grâce à vous qu'on revenait vivant.
Sam, vous vous sentez bien? J'ai consulté vos infos. Apparemment, vous avez été pris dans une supercellule. Et en une fraction de seconde, vous vous êtes retrouvé de l'autre côté du point zéro. À deux pas de la ville relais portuaire. Alors comment j'ai atterri là? Vous vous rappelez Victor? Il vous a trouvé près du port, vous étiez inconscient. C'est lui qui vous a ramené là. Il se pourrait bien que Cliff soit le père de Lou. Il a dit, vous allez me rendre mon bébé. Non, c'est impossible. Cliff est né, il... Et il m'a donné ça. Peut-être qu'il essaie de nous dire quelque chose. Peut-être quelque chose qu'on ignore sur les bébés, sur leur conception. J'ai pas eu l'impression qu'il nous voulait du mal, en tout cas. Je crois qu'il voulait seulement discuter, je dirais. Mais vous avez dit que vous l'aviez vu pointer son arme sur le directeur sur la grève. Ouais. Ils ont l'air d'avoir un passé commun qu'on connaît pas. Eux deux et Bridget. C'est drôle parce que justement, j'ai quelque chose à vous montrer. Je suis tombé dessus en faisant des recherches dans les archives. Il s'agit d'un message préenregistré du directeur intitulé « Si jamais je ne reviens pas ». Ce message me servira de filet de sécurité, au cas où il m'arriverait quelque chose. Accès réservé à Bridges. Et j'espère vraiment que c'est Bridges qui le regarde. J'ai eu droit à un cadeau de la part d'Amélie. Elle a dit qu'elle voulait bien me conduire sur la grève. Mais que j'aurais besoin de ce poupon pour me guider à elle. C'est un piège. C'est évident. Pourtant, je vais jouer le jeu pour cette fois. Après tout, vous jouez tous le jeu, vous aussi. Vous savez bien que ce masque ne cache pas uniquement mon visage. Le fait est qu'Amélie aussi est une page vierge. Aucun historique. Aucun document attestant de son existence. C'est un fantôme. Et le truc avec les fantômes... Je n'ai jamais vu Amélie en personne. Et vous? Vous l'avez déjà rencontrée et lui avez serré la main, l'avez touchée. L'équipe d'origine qui a été envoyée dans l'Ouest était divisée en deux groupes. Amélie est partie avec le premier. Quant à Mama et Hartman, avec le deuxième. Ils n'ont eu aucun contact direct. En effet, le groupe d'Amélie a été décimé au relais frontières. Tous morts sauf elle. Et tout ce qui pouvait dire si elle était physiquement là ou pas. N'importe quoi. Elle est réelle. J'ai déjà touché, moi. C'est... On se connaît depuis. Pour ma part, je n'ai eu d'interaction qu'avec son hologramme. Qu'est-ce que je vous dis? Je l'ai vue, moi. Et en personne. Et puis, on se voyait tout le temps avant. Je sais, oui. Mais seulement sur la grève. Voici ce que la présidente avait à dire au sujet de sa fille. Amélie est née sur la grève. Son K, lui, est resté là-bas, tandis que son A est venu dans notre monde. Cette séparation entre son corps et son âme l'a obligé à passer la majeure partie de son enfance à l'hôpital. Mais malgré une santé fragile, son Dooms, lui, était vraiment hors norme. Au fil du temps, elle a su développer ses dons surnaturels et dépasser ses propres limites. Et quand elle a atteint l'âge de 20 ans, elle était capable de faire des allers-retours sur la grève. Et c'est là qu'elle a commencé à y passer tout son temps. Dès lors, si on voulait entrer en contact avec Amélie, c'était uniquement par hologramme. La présidente insistait sur ce point. J'avais prêté serment à la présidente, ainsi qu'à l'Amérique. Donc pour moi, tout ce qu'elle disait faisait loi. Alors quand elle a dit qu'Amélie était sa fille et qu'elle serait la mieux placée pour lui succéder, moi je l'ai cru. Mais quand on a enfin restauré les archives, je n'ai pas pu m'empêcher de tester les limites de mes droits d'accès. C'est comme ça que j'ai découvert que Bridget avait développé un cancer de l'utérus avant la trentaine.
et ne pouvait pas avoir d'enfant. Vous voyez ? Tout ça n'est pas logique. Il est impossible qu'Amélie soit la fille biologique de Bridget. Alors d'où est-ce qu'elle vient ? Qui est-elle ? Est-elle au moins réelle ? Comment est-ce qu'on peut être sûr qu'Amélie est bien un agent d'extinction, si on n'a même pas la certitude qu'Amélie est bien Amélie ? La théorie des AE pourrait aussi bien être du flan que je sache. Mais si c'est vrai, et si elle est bien la cause de ce Death Stranding, alors il faut que j'accepte son invitation. J'ai prévu tout ce qu'il fallait. J'ai pris des balles hématiques. Avec le sang de Sam. Ce qui fait que mon arme est reliée à elle. À moi, à lui, à nous tous. Par conséquent, je devrais pouvoir l'emporter sur la grève. Je vais mettre un terme à ce qu'elle a commencé. En l'arrêtant, elle. J'ai encore une chose à dire. Je ne suis qu'un homme. Aucun pouvoir. Rien d'exceptionnel. Je n'ai pas le Dooms, donc je ne peux pas me rapatrier comme Sam. Je ne connais rien à la mort, je ne m'en suis jamais approché assez près. En revanche, je connais bien l'enfer. Chacun des champs de bataille, c'était l'enfer. Mais aussi dur que ça ait pu être, j'y ai survécu. Parce que ce que je sais faire de mieux, c'est fuir devant la mort. Voilà. Je dois y aller. Elle est en train de m'appeler. Bridges, ne me laissez pas tomber. Après avoir enregistré ça, le directeur est passé sur la grève. Ou plutôt, Amélie l'a invoqué là-bas. Il tenait Bridget en joue quand je l'ai vu. Puis Cliff est apparu, il l'a emmené. J'avais cru comprendre qu'il partait pour la grève pour affronter Amélie. Oui, elle était là, elle aussi. C'est elle qui m'a fait sortir. Ah, bon sang, c'est tellement évident. J'en reviens pas de ne pas l'avoir compris plus tôt. En fait, c'est Amélie qui... Qu'est-ce qui se passe ? C'est le réseau chiral qui nous a lâchés. Et si on en croit le pneu, d'ici peu de temps, il sera complètement inutilisable. Mais alors, on s'est donné tous mal pour rien. Laissez-moi donc aller au bout de mon idée. Je vais le lui dire. Fragile. Vous avez pas l'air bien, vous devriez vous reposer. Je sais. Mais j'ai quelque chose à vous dire. J'ai eu une petite discussion avec Higgs sur la grève. Il a pas mis très longtemps à cracher le morceau. Il a dit pourquoi il vous avait trahi ? Il a dit que c'était son plan à elle. Quoi ? Que c'était elle, la chef. Toutes ces néantisations, ces étapes menant à l'extinction. Amélie était derrière tout ça. Évidemment, ça l'arrange. Je sais combien c'est difficile à croire. Mais ça coïncide avec ce que Die Hard Man a dit. Higgs m'a trahi après avoir rencontré Amélie. Au départ, tout ce qu'il voulait, c'était étendre son territoire en se servant de mon pouvoir. En tout cas, c'est pour cette raison qu'on s'est associés. C'est pas un terroriste. Il voulait juste atteindre plus de monde. Et puis, elle a débarqué avec ses capacités bien supérieures aux miennes. Merde, elle arrivait même à contrôler les échoués. Alors Higgs a décidé de la suivre. C'est à ce moment-là qu'elle a fait de lui son agent d'extinction. C'est Amélie qui lui a donné ce pouvoir ? Ouais, elle a fait de lui son homo demens. Et Bridget, alors ? Vous pouvez me dire ce qu'elle faisait sur la grève ? Vous avez la réponse à ça ? Je sais que c'est dur à avaler. Mais Higgs a lui-même avoué qu'Amélie était un agent d'extinction. J'ai bien regardé sa capsule. Il n'y avait aucune trace de bébé. Regardez ce que j'ai trouvé à la place. C'est le même poupon que celui de Die Hard Man. Ça leur sert de brise-brouillard. On pensait que c'était les terroristes qui avaient ressorti les bébés et que Bridges avait seulement suivi le mouvement. On se trompait. Ils ont une façon de faire qui n'a vraiment rien à voir avec la vôtre. Vous, votre bébé, vous reliez au monde des morts,
Leur poupon les relia à Amélie et à sa grève. Je vais vous dire qui d'autre en a des poupons de ce genre. Cliff, je me souviens que j'en ai vu sur les champs de bataille. Cliff, Higgs et le directeur ont tous les trois été attirés et totalement vampirisés par cet agent d'extinction. Mais qui peut bien être, c'est à eux, au juste. Laquelle des deux? Bridget ou Amélie? Tout ce que je peux dire, c'est que les réponses se trouvent sur la grève. Ce qu'elle veut, et pourquoi. Si on découvre le fin mot de l'histoire, on a peut-être encore une chance d'empêcher l'ultime Death Stranding. Il faut vraiment que vous la trouviez, Sam. Et peu importe qui elle est vraiment. Elle attend que vous veniez la rejoindre. Revenez vite à l'est. Sam, la connexion est instable, alors je ne vais pas m'étendre. On a une mission pour vous. L'état de Fragile se dégrade à vue d'œil. Si elle tombe dans le coma, il y a un risque que son âme reste piégée dans la grève. Elle a besoin de cryptobiotes le plus rapidement possible. Heureusement pour elle, Fragile Express en a une réserve dans la ville relais portuaire. Il faudrait que vous puissiez en récupérer quand vous serez sur place. Vous trouverez tous les détails sur le terminal à l'étage. S'il vous plaît, Sam, c'est vraiment important.